السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التوتو. اليوم راح نخدمه مع بعض اون تو دو ليست ولا اون ليست دي شوز ولا دي طاش افير. دونك هي عباره عن قائمه فيها مهام. دونك نقدر نجي هنا نكتب بار اكزومبل ليرن اتش تي ام ال و جو كليك على لو بوتون اد و ريماركي بلي لا طاش هادي ولا المهمه هادي ال سي تافيشي هنايا. Donc de la même manière, par exemple, learn, CSS, add. Voilà, donc adi el qa'ima ta'i. Une fois nkhallas min mohima, nqadr je la supprime. Ou si jamais je clique ala le bouton add, ou ma ken walou le champ de saisie hada, ça va me déclencher une erreur. Deux secondes, veuillez bien remplir le champ de saisie. Donc, adi hiya, c'est une application très basique, très simple. Des notions de base en ce qui concerne l'ajout ou la suppression des éléments du DOM. Yani, le DOM, c'est le Document Object Model. L'application a dit, on va utiliser Visual Studio Code. Donc, c'est un éditeur de texte gratuit que vous pouvez facilement télécharger. On a utilisé un dossier Smith To Do, c'est un dossier vide. Donc une fois que vous aurez ouvert l'éditeur de texte, comme dit le file, tu auras l'open folder, où vous vous dirigez vers le dossier HADA. Donc derrière, on va mettre HTML, CSS ou JavaScript. Donc on va mettre index.html. On va mettre style.css. Pour JavaScript, ça va être app.js. Donc on va l'HTML. قلنا بلي هو اللي راح يمد لي ولا يحدد لي لو سكيليت تاع لابليكاسيون تاعي. دونك بور افوار لو كود دو باز تاع الدوك تايب والهاد والبودي تو سامبلومون افيك فيجوال ستوديو كود راح ندير ان بوان ديكسكلاماسيون. انا فو روماركي ايمت ابريفيشن. دونك هنا كنت كاع على اونتري فوالا يعطيني لو كود دو باز. فوالا دونك هنا نكتب تو دو ليست par exemple, ou هنا يا vous remarquez عطاني le body. Donc l'application تاعي راح تكون هنايا. OK, بهما نساوش, on va faire la liaison ma bin l'HTML ou CSS via la balise link. Donc encore une fois, هنا نقولوا عليه بلي intuitive. يعني يعرف بلي c'est un tag ou la بلي c'est une balise. OK, donc link تكا على entrée, يعطيني style sheet هذا يعطيني href. Donc on va écrire tout simplement style.css. On va écrire style.css parce que on vient le même emplacement. Donc de la même manière, on va le script src. Cette fois, on va mettre app.js. C'est pour la manipulation JavaScript. Donc, comme structure de base, on va dire ici. Un div, يعني le bloc اللي شفناه قبيل هذاك. Donc نمدلو un id, نقول main par exemple. انا لكن شفاه وكان عندي un text مكتوب فيه to do app par exemple. وهنايا كان عندي un champ de saisie et un bouton. Donc je préfère ne regrouperهم مع بعض. On ne sait jamais dire une manipulation bad. Placeholder your to do. Donc en ailleurs c'est le bouton ajouter. Voilà. Bon. Hada c'est le hôte à l'application. Donc le bloc hada, ça va être le bloc تاع les tâches à faire تاع القائمه هذيك اللي شفناها قبل. Donc نقول مدلو ان اي دي ثاني تاع تو دوز, يعني c'est l'ensemble ou dans chaque ou plutôt dans ce bloc هذا راح يكون عندي un div avec une classe to do. D'accord. Donc هنايا اللي راح يكون عندي le texte هذاك learn html. OK. ولا هنايا learn par exemple CSS كيما شفنا قبل. دونك هذه هي la structure.
qui va être n'goulo, adéquate pour faciliter que ce soit le design avec le CSS ou la manipulation JavaScript, tout ce qui est ajout ou la suppression. Donc voilà, class to do. Hana qulna kayn un texte. Khalli nhatta hada dans un span. C'est mieux. Donc hana par exemple run html. Voilà, ça va être le bouton supprimer. Ok, un autre span. Donc supprimer. خلي le bouton, les boutons هادو supprimer, نبدو لهم une classe ثانية parce que نحتاجوها من بعد. Par exemple la classe c'est supprimer بعد. ولا نسميوها هكا برك. Voilà. Tout simplement, Behman sèche. Il y a un peu d'espace à l'intérieur. Behman sèche le bloc d'erreur à Daktani. Donc, ID, ça va être erreur. Ohanaya, tout simplement, veuillez bien remplir le champ de saisie. Voilà, donc, j'ai voilà, highlight la structure de base TI. Donc dans le cas les amis dire le CSS. Ok, ben là, on met les couleurs, on met la largeur tu as le bloc adag. Donc hangiena déjà pour commencer le double body ou le margin 0 et padding 0. Un background, خلي نبدلو cette fois, نديروها un gris, شوفو résultat. Ok, donc dans le cas un peu de design au niveau de ce bloc là du main. Donc main c'est un ID, donc pour la sélection ça va être dièse main. Donc dièse main, on met démarche intérieure à 20 pixels, on met démarche extérieure 100 pixels en haut et en bas, et à gauche et à droite ça va être centré. Donc on met auto. Un background color, on met light gray par exemple, kabidaya, où je veux que les éléments soient centrés. Donc text align center. Voilà, vous le marquez dans le cas. Nous avons une largeur. On goal 450 pixels. Très bien. Donc, à Karana Malina, je suis dans le cas, il me faut un peu d'espace. Voilà. Ma bin le haut, Adam. Le champ de saisie ou le bouton ajouté. Nous avons des marges. Des margin bottom. Donc, tout simplement, on dit non. ولا خلي نحكم ل to do le bloc هذا وندير margin top c'est mieux. Donc to do margin top par exemple 50 pixels. Voilà, on se rapproche. De la même manière ندير des margin top cette fois pour le bloc erreur هذا. Donc نجي هنا erreur margin top 50 pixels. Ok, bon, encore une fois vous remarquez que le code هذا fait le to do ou l'erreur c'est le même. Donc il y a ça c'est là هنا. Tout simplement on écrit erreur, mais comme on dit d'autres manipulations on dirait on balak à la to do هذا le bloc هذا, donc il serait préférable خلي كل واحدة واحدة. Voilà, donc je prends aller dans le cas. Mettre un peu de design le H2 là. Donc, comme c'est le seul H2 toute l'application, on occupe H2 bar qui marque. On a un goal font family par exemple, cursive. Color
par exemple bleu un bleu, faut que ce soit un bleu qui est marquant. Letter spacing un pixel, c'est l'espace qu'il y a entre chaque caractère. Très bien, c'est pas mal. Donc je ne peux pas dire où nous avons le CSS c'est le to do, la classe to do. Ok, donc comme c'est une classe nous avons point to do que je te fous. Donc nous mettons des padding à 8 pixels, margin top à 10 là 8 pixels, un background color jarbongolo light blue par exemple. Ok, c'est pas mal. Je vois les éléments ici. Le texte هذا لازم يكون في الاكستريم gauche ou le bouton لازم يكون في الاكستريم droite. Donc je vais dire display flex. Voilà. Qui dire un display flex, je peux accéder le justify content, pardon. Donc justify content, on va dire space between. كبهي يجبدوا على بعضهم. Très bien. Dans le cas le bloc erreur. Donc erreur encore une fois, non? Un background. Background color. Par exemple light color. Ou non, on a la couleur. Tu as le texte qu'on un rouge foncé. Ok, je vais voir comment il fait. Voilà, ça doit être mis des marges intérieures. Ok, je dis non. Donc, marge intérieure, c'est padding. Padding 8 pixels. Voilà, c'est pas mal. Voilà, dans le cas, je pense que c'est enfin, si il y a une chose, le bloc هذا في الحقيقة في الديبيو تاع لابليكاسيون لازم يكون كاشي. دونك لازم نجي هنا نكتب display known. اوكي فوالا. دونك هكا نكونو خلصنا مع HTML و CSS. دركا نروحو نهضرو على لي مانيبيولاسيون جافا سكريبت. بون اول حاجة راح نديرها سي بالي بيان جيري لو كليك على لو بوطون هذا اجوتي. دونك راح نجي هنا نروح لapp.js وهنايا je vais créer ce qu'on appelle un écouteur d'événement ou la add event listener. يعني c'est une fonction que je vais accrocher à un élément donné. L'élément في الحالة هذه ça va être un bouton. يعني à chaque fois que je vais cliquer ici على le bouton هذا JavaScript va détecter l'événement هذا, l'événement clic. Ou par la suite, il va dire quelque chose. Donc, on va voir la chose qui est là. Donc, je vais tout d'abord sélectionner document.querySelector. Donc, je vais sélectionner le bouton là. Bon, là, il y a même dit aucune classe. Je vais mettre un ID. Identifiant, ajouter. Ok, donc, j'ai là. Query selector, c'est une méthode JavaScript qui va me permettre de sélectionner un élément du DOM. Donc, là, on va écrire ajouter. Voilà, je l'ai sélectionné. Dans le cas, on va mettre l'écouteur d'événement, yani add event listener. Ok. Là, l'événement, je vais le spécifier. Donc, c'est un clic. Là, c'est le premier paramètre. Comme deuxième paramètre. Parce qu'on a dit une fonction callback. La fonction a dit elle va prendre en paramètre l'événement. Je vais exécuter quelque chose. Pour le moment, on dira un simple console log par exemple. Clicked. Donc je recharge. On va dire F12. On va la console. Parce que la console c'est un moyen qui va nous faire le l'avancement ou
des manipulations هادو. Donc vous remarquez هنا à chaque fois ce qu'elle a ajouté la console va s'afficher le mot هذا clicked. يعني donc j'ai bien sélectionné l'élément ou j'ai bien exécuté une instruction. Donc نحب نشوف هنا. Je veux vérifier que هنا في le champ de saisie, il y a bien quelque chose. يعني je déclenche l'erreur هذيك من بعد. Donc supposons l'utilisateur, il n'a rien saisi. Donc كيفاش راح نقدر نشوف la valeur هذيك تاع le input بلي c'est une valeur vide. OK, donc راح نجي هنا نقول if l'événement اللي هو e point target non pardon. Donc qu'on dire e target ça va renvoyer le bouton. هنا j'ai besoin de sélectionner query selector sélectionner le champ de saisie. Voilà, query selector input. وهنا راح نشوف la valeur. OK, donc راح نكتب value. Est-ce que c'est égal à une chaîne de caractères vide? Si c'est le cas, par exemple, خلي le message هذاك اللي كتبناه قبيل نعاود نكتبوه هنايا. Veuillez donc veuillez bien remplir le champ de saisie pour commencer. OK. J'ai non, je recharge. Donc ma نكتب والو هنايا ونتكالا ajouter. Voilà, donc l'instruction a dit rahi sahiha, tout est bon. Donc là, je vais dire en fait, je vais dire le bloc هذا erreur, je veux le réafficher. Je vais dire l'instruction CSS a dit on y a display known. Donc je vais dire je vais sélectionner le document query selector. Donc, erreur. Maintenant, on a accédé à la propriété pardon, display via l'objet ou la point style. L'objet style. هذا. Style point display. Donc, style, j'accède toutes les propriétés CSS. Donc, style point display que je vais réaffecter à. À bloc. Donc je vais l'afficher. Voilà, manktubuelo encore une fois. On te cala ajouter, vous remarquez que le message هذا il s'affiche. بصح هنايا مانيش راح نخليه يبقى هكا مافيشي. Donc لازم après 2 secondes نزيد نعاود يعني نخبيه. Donc كيفاش راح ندير؟ نعاود نجي هنا juste voilà l'instruction هذه كاينه واحد la fonction. Donc c'est ma set time out. En fait, set time out, c'est-à-dire, j'exécute une instruction après un temps donné. Donc set time out, fonction, la fonction que je vais exécuter après comme deuxième paramètre, les millisecondes. Donc 2 millisecondes. Yani 2 secondes. Donc set time out function, ok, هنايا. واش راح ندير؟ اي بيان تو سامبلومون الانستركسيون هادي راح نزيد نعاودها نحطها هنا مي سيت فوا اوليو لي بلوك نزيد نعاود نكتب نون. اوكي دونك كون عاد نجيو هنا اونكور اون فوا ما نحط والو في لو شون سيزي تك على اجوتي ان دو فوالا هنا فو رماركي عاود تخبى. اوكي دونك لا اوني بون. دركا هادي الحالة الأولى يعني شفت وين حلت وين لوتيليزاتور ما يكتب والو. دونك لا كان كتب كاش حاجه انا هنا لازم نحط ان الس يعني هنا جو في جيري جو في بلوتو كريي لي زيليمون هادو لا طاش افير هذيك المهمه تاعي راح نخدم لها ان تو دو راح نخدم لها ان سبان اي ان بوتون هكا اون فوا نخدم tout ce bloc, je vais l'injecter هنايا. Donc هذا واش راح يدير JavaScript. Donc في الelse هنا خلي par exemple نديرو ça un console log par exemple e.target non
encore une fois c'est l'autre, c'est document.querySelector input وهنا value. Voilà, هنا حاب نشوف la valeur. J'ai هنا ajouter le message هذا il s'affiche. كون عد par exemple نكتب كاش حاجة learn html ajouter voilà. On a vu remarquer leur HTML. Alors, je vais vous donner un template qui m'a aidé. Un template serait. Donc, je vais dire var div document.create element. On a l'élément TI. L'élément du DOM, c'est un élément, c'est un div, c'est un bloc. Donc, je l'ai créé. Je vais avoir besoin de créer un span. Donc document.create element de quel type? De type span. En dernier, ça va être document.create element de type bouton. Voilà. Dans le cas, derrière le div là, on a le span ou on a le bouton. Ça va. Le div là, plutôt je vais sélectionner hadi plutôt le bloc là, avec l'identifiant to do's, je vais le sélectionner ou je vais injecter la classe hadi plutôt le bloc là, donc je vais l'injecter d'abord on بعد هو à son tour rahzin injecter dakhlou le span ou le bouton. Donc, mansaouch kayen des classes lazem nmeddouhom hnaya. Khali hna ngoulou document. OK. Query selector. Donc to do ou smaha. Append child div. D'accord. Donc le div hada ana hab nmeddou une classe. OK. Donc si vous remarquez hnaya chaque bloc qui va contenir la tâche TI a une classe qui s'appelle todo. On va dire la même manière بصح, à travers JavaScript. Donc on dit ici div classe list point add yani, la liste qui contient les classes tel l'élément hada, ajoute moi c'est une fonction hadi. Ajoute-moi la classe qui est là. Donc, to do. Ok. Très bien. Donc, pour le moment, on va faire le div. On va injecter le div to do. On va faire une classe to do. Donc, on va faire le menu. Donc, on va faire le span. Span.textContent. On va faire un contenu textuel qui va être égal à. Un istorlot. Qui va être égal à document. Query selector input yani ce qui a été saisi le champ hadak l'input value donc la valeur de l'input qui par exemple qui maktoubna hak bi learn html hadik rah nhotha le span. OK باش هي elle me l'affiche هنا. Donc j'ai هنا voilà hadi c'est bon donc ka kayna haja l'akhra. Le bouton là, vous remarquez tani belli ando une classe. Donc de la même manière, donc ce button point classe list point add voilà supprimer. Alors comme un sache haja hado rani hada meditlo le span meditlo le contenu textuel tao ou le bouton مديت لهم كلاس بصح درك لازم نزيد ننجكتيهم داخل الديف هذا. دونك هنا نقدر ندير div point append child span وهنايا div point append child button فوالا تو سامبلومون نجربو نسافو غارديو نجيو هنا actualiser la page qu'on gère
على ajouter ما عندي aucune valeur ما فيش le message d'erreur هذا كون نجرب نقول له هنا par exemple learn js ajouter ah oui هنا vous remarquez نسينا ما بديناش le bouton هذا un contenu ok un contenu textuel donc هنا تاني button point text content égal à supprimer j'ai là j'actualise par exemple comme l'offre là ok voilà donc là on est bon la chose l'autre qui حاب نديرها après chaque ajout نحب الكتيبه هذه تروح ok donc شرح ندير j'ai là je vais sélectionner le champ de saisie query selector input وهنايا la valeur je vais affecter comme valeur une chaîne de caractères vide donc j'ai هنا نعاودو le même exemple ajouter هنا vous remarquez بلي ولات une chaîne de caractères vide ok ou l'élément تاعنا plutôt عندي un template qui s'est créé voilà عندو une classe بها ما نساوش to do هذه اللي راح نحتاجوها من بعد pour la suppression donc voilà هذه en ce qui concerne l'ajout في la dernière étape راح نشوفو comment on peut supprimer les éléments يعني المهام هادو une fois نخلصو منهم انا محتاج نسوبريميهم ok دركا هي كاينه واحد الاشكاليه انا le bouton هذا supprimer في le début تاع l'application il n'existe pas يعني في الحاله هذه كيما راكم تشوفو راني juste parce que عندي un peu d'HTML هنا في الحقيقه هادو راهم ما كانش دونك هاي لابليكاسيون تاعي من الاول كيف راح تكون لو بوتون سوبريمي هذاك ما كانش دونك ما نقدرش نحط ليفينمون كليك يكون تابع ليه دونك فاش راح ندير الاد ايفنت ليستر هذيك راح نحطها على تو لو دوكيومون كون نعود ندير هنا par exemple console log clicked يعني j'ai cliqué sur quelque chose كون هنا par exemple نتكا على le bloc هذا vous remarquez clicked ولا على le bouton ajouter même vous remarquez ها il m'a affiché deux fois clicked sur l'input هذا trois fois ok donc هذه هي la démarche اللي راح نديروها في الحالة هذه انا j'ai besoin لكان حاب نسوبريمي ان اليمون جي بوزوان دو سافوار لكان ليليمون كي ايتي سور لوكيل بلوتو اون ا كليكي لكان راهو ان بوتون اللي عنده اون كلاس سوبريمي كيما شفنا قبيل دونك هنا راح نقول اف او يعني او سي ليفينمون كليك تارجت سي لا سيبل اللي نورمالمون راح تكون ان بوتون كلاس ليست كونتينز واش la classe supprimée voilà si c'est le cas نعاود ندير console هذاك هنا par exemple supprimer هكا باه نشوفو لكان الكود تاعنا راهو صحيح دونك نجي هنا je sauvegarde دونك نقول par exemple learn html ajouter دركا كون كليكي un peu partout في le document ما يصرا والو باسكو tous ces éléments ma ndomch la classe supprimer kan ghir le bouton hada درك كون كليكي هنايا vous remarquez جيني supprimer زين عاود كليكي زعاود جيني supprimer OK دونك رانا ملاح دونك هنايا واش لازمني ندير خليني نعطي لكم هكا باش تفهموا دونك learn css هنا جي اجوتي ان دوزيام اون دوزيام طاش مهمه ثانيه دركا سوبوزون انا حاب نسوبريمي لا طاش الاولى هذه لا طاش الاولى راهي جايه على بوزيسيون لا بوزيسيون 0 حنا كون نخمو اون طون كو بروغرامور اوكي لا بوزيسيون 0 دونك هي في الحقيقه كون نعاود ندير هك كونسول لوغ دوكيومنت نو دوكيومنت query selector all الخطره هذه كاسك جو في سيليكسيوني tous les boutons
اللي عندهم اون كلاس سوبريمي. دونك جاجوت نو HTML ajouter learn CSS. OK. Supposons que je clique à l'élément هذا. شوفوا هنا قال لي node list. Donc query selector all هذه elle m'a renvoyé en réalité une liste. OK. وين فيها le bouton هذا الاول j'ai à la position 0. Enfin, un angle une liste c'est un tableau en JavaScript. وهنايا la position 1. Supprimer هذا. Donc انا حاب نجبد si vous voulez ou plutôt je veux vérifier من la liste هذه اللي هنايا راكم تشوفوا فيها le bouton qui a été cliqué. Par exemple, انا لكن cliquer sur supprimer le premier bouton. نحب نجبد l'élément هذا l'élément parent يعني le div هذا اللي خدمناه قبيل ou je le supprime من le DOM. OK. لكن j'ai cliqué sur le bouton تاني هذا la même opération. Donc هذا واش راح ندير. Donc document query selector all هنا j'ai besoin de faire une boucle for each. Donc for each element. OK, très bien. Donc هنايا l'élément ça va être le bouton parce que هنايا هذه c'est toute la liste ou là c'est tout le tableau qui va contenir les boutons. انا حاب نشوف لكان le e target هذا يعني le bouton sur lequel j'ai effectué le clic لكان راهو يساوي واحد من les éléments هذو que je vais parcourir. Si c'est le cas واش راح ندير, eh bien je vais le supprimer. OK, je veux supprimer element. Donc هنا راح نجي ندير une vérification, نقول if e.target égal à element. Donc في الحالة هذه واش ندير element point parent element point remove. علاه قلت parent element parce que l'élément en question اللي قاعدين نحكيو عليه c'est ça. C'est le bouton. Quand je vois le parent l'oul le bouton هذا c'est le todo. Donc j'ai pu accéder le bloc هذا que je veux supprimer en fin de compte. OK. Donc نقول là quand j'ai cliqué على le bouton هذا OK, très bien. عطيني le parent تاعو tu me le sélectionnes et tu le supprimes. Donc هذا واش درت هنا element parent element.remove. Voilà, tout simplement. Donc نحيو هذا parce que ما نحتاجوش. Voilà, donc نجيو هنا par exemple learn js learn html et learn css. انا نقولو خلصت من l'html. Je supprime. OK, ما صرا والو. علاه ما صرا والو. دونك هنايا كاينه غلطه. دوك نشوفو واش هي الغلطه هذه. دونك if a target class list contain OK query selector OK for each element. هنا كان عليا جوست نبدل target مكتوبتهاش قد ماشي target. دونك target فوالا دركا نورمالمون الكود يمشي. نجي هنا learn html learn css نقولها خلصت من l'html je le supprime. Voilà, je supprime. ولا كان نجوتي avec une valeur vide message d'erreur هذا اللي سافيش. دونك اون غرو هذه هي je n'ai pas trop insisté على le côté css. دونك حاجة simple برك جوست باش قلت لكم باش نفهموا لي concepts هادو ولا لي notions تاع جافا سكريبت. Voilà, j'espère que vous avez fait ce tuto. Ou voilà, là, quand vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ou on vous dit à la prochaine vidéo.